Mes amis, soyez les bienvenus dans ce tutoriel consacré à la création de jeux avec Solarus. Aujourd'hui, nous allons parler des tiles dynamiques. Les tiles, ce sont les petites pièces de décor habituelles que vous mettez partout. Il y en a beaucoup sur la plupart des maps. Et en fait, il y en a tellement qu'ils sont optimisés euh, par le moteur habituellement pour être affichés euh, plus rapidement en une seule passe. Et pour calculer les collisions avec le, le héros et les autres entités plus rapidement aussi. Et euh, ce qui fait qu'au moment de l'exécution dans votre jeu, euh, les tiles ne sont pas disponibles, les tiles standards ne sont pas disponibles par vos scripts. En fait, si vous double-cliquez sur n'importe quelle tile, euh, il, il vous remarquerez que c'est la seule entité qui n'a pas de nom. Vous ne pouvez pas lui donner un nom parce que vous ne pouvez pas y accéder au moment de l'exécution dans vos scripts. Pour la simple et bonne raison qu'il n'existe plus vraiment à l'exécution. Euh, tous les tiles existent ici quand vous éditez votre map, mais à l'exécution, le moteur, il fait des optimisations, il les traite euh, tous ensemble. Et euh, pour des raisons de performance, on n'a pas envie qu'ils soient tous euh, disponibles individuellement au, mo au moment de l'exécution. C'est là que interviennent les tiles dynamiques. Si vous avez quand même envie que certains tiles aient des propriétés dynamiques et des choses en rapport avec des scripts, bien vous pouvez euh, les convertir en tiles dynamiques. Mettons, on va faire apparaître une échelle ici avec un mécanisme. On va faire un petit bouton. Euh, sprite switches. Et euh, on va créer une échelle. Donc avec des tiles absolument euh, standard. On va par exemple la mettre ici. Alors du coup, cette falaise-là, il faut l'enlever, euh, la réduire un petit peu. On va mettre là comme ça plutôt. Et donc on voudrait que quand la map commence, il euh, y ait le mur, et que quand on appuie sur le bouton, tous ces tiles-là apparaissent. Alors en fait, on va sélectionner nos tiles et on va faire convertir en tiles dynamique. Maintenant, ce sont des tiles dynamiques. Donc ça veut dire que eux, ils ne vont plus être... Euh, traités de la même façon que les autres, ils vont plus être optimisés de la même façon que les autres qui sont optimisés tous ensemble comme je l'ai expliqué. Alors on va devoir leur donner un nom. Par exemple ladder tile 1. Alors je vais copier le nom et puis tous les tiles concernés ils vont avoir droit à ce même préfixe. En fait là ils se font renommer automatiquement en ladder tile 2, ladder tile 3, et ainsi de suite. Et euh, il est possible de les, de les désactiver au démarrage. On va tous d'ailleurs les désactiver au démarrage. Et on va les activer quand le, le bouton va être appuyé. Alors on pourrait les désactiver au démarrage depuis un script pour éviter d'avoir à les faire un par un. Parce que là, c'est un peu long vu qu'il y en a 9. Et puis le switch, on va l'appeler ladder switch. Donc le bouton de la barrière. Um, ok. Alors on va avoir un petit problème, c'est que pour l'instant, quand la map démarre, ça va afficher ça avec un énorme trou. Donc en réalité, on va quand même... Euh, une solution, c'est de quand même conserver tout ça, tout le mur. Et puis, on va donc activer notre euh, euh, échelle ici. Seulement, il y a un petit problème avec ce bout de tile-là. Euh, C'est-à-dire qu'il devrait y avoir de l'herbe devant le bout de mur ici. Donc ce qu'on peut faire, je pense que le plus simple, c'est de rajouter encore un tile dynamique ici. Donc on va aussi l'appeler ladder tile, suivi euh, d'un suffixe. Alors, convertir en tile dynamique. Pour info, vous pouvez aussi créer des tiles dynamiques depuis... Euh depuis là-haut avec cette icône et puis, et puis ensuite seulement choisir le motif parce qu'un tel dynamique finalement c'est une entité comme une autre dynamique euh... ok alors c'est un petit peu moche si on veut être vraiment précis il faudrait sans doute faire plus comme ça et mettre celui-là devant alors ça me permet de vous parler de l'ordre des entités les entités dynamiques sont toujours affichées à, euh, devant toutes les entités qui ne sont pas dynamiques. Donc les tailles standards, comme je vous disais, comme ils sont affichés dans une première passe, ils sont obligatoirement en dessous de tout le reste. Euh, par exemple, le bouton, il sera toujours au-dessus de n'importe quelle tile. Si vous dites met mettre au premier plan, OK, il va le mettre au premier plan, mais par rapport aux autres tiles standard, il ne va pas, jamais dépasser le bouton. Et si vous mettez le bouton en arrière-plan, il ne va jamais passer en dessous des tiles. Si vous voulez que les tiles soient au-dessus des entités dynamiques, alors il faut utiliser les couches. Rappelez-vous, vous pouvez toujours utiliser plusieurs couches sur une map. Par exemple, ici, on a sur la couche numéro 1 euh, des feuilles d'arbres qui sont plus hautes que euh, tout ce qui est sur la couche 0. Notre bouton est sur la couche 0. Donc il va quand même être en dessous, bien sûr, des, des feuilles. Oups. Parce que les feuilles sont sur la couche supérieure. Bien que les feuilles soient des tiles standards et non des tiles dynamiques. Donc pour récapituler, le jeu va afficher vos entités couche par couche et sur chaque couche, il va d'abord afficher tous les tiles standards, suivis de toutes les entités dynamiques, notamment les, les switches, les tailles tiles dynamiques et tout. Donc euh, tous ces tiles dynamiques là, les 10 tiles dynamiques qu'on a créées, ils vont être obligatoirement au dessus des tiles non dynamique de la même couche. Celui-là n'est pas dynamique. Pareil, on ne pourra jamais le faire passer euh, au-dessus des tiles qui sont dynamiques. Donc ça, c'est une chose à bien, à bien comprendre. Alors, on va tester notre map. Alors, pour le moment, je pense que j'ai dû oublier quand même de préparer un script initial game. Il faut dire que je, de démarrer sur cette map-là. Donc je l'ai appelé dynamic tiles slash outside. Pour le moment j'ai pas encore fait de script donc il va rien se passer. Euh, j'ai oublié de dire que mon dernier tile ne doit pas être actif au démarrage. Et donc quand on appuie sur le switch, on veut faire apparaître euh, map on. Non, euh, ladder switch unactivated. Eh bien, on va sol .audio play sound. Euh, comment on dit Il faudrait trouver un son pour dire qu'on a résolu une énigme. Euh, je ne me souviens plus s'il y en a un... Enfin, je ne me souviens plus lequel c'est, qui est pas mal. On a qu'à mettre treasure même si c'est pas vraiment un trésor. C'est juste pour l'exemple, c'est pas le sujet du, du tutoriel. Et donc ensuite on pourrait dire alors ladder, comme on a donné des noms à tous nos tiles, ladder tile1, set enabled true, et ainsi de suite jusqu'à ladder tile 10, puisqu'il y en a 10. Mais je vais vous épargner ça et on va le faire directement de la bonne façon. On peut faire map. Set Entities Enabled et là on donne un préfixe et il va rendre actives toutes les entités que qui commencent par ce préfixe donc ladder, tile, quelque chose true donc on les active. Elles sont au démarrage de la map désactivées parce qu'on a décoché cette case euh, Pardon pas cette case <laughs> Celle-ci, le actif au démarrage qui est là, rien à voir avec le, le switch Et voilà, ça fonctionne. Et donc c'est le moteur de jeu qui va se charger de, de gérer dynamiquement le fait que, que l'affichage, mais aussi les propriétés de terrain sont modifiées par l'activation la, ou la désactivation de certains tiles dynamiques. Autrement dit, euh, on peut passer une fois que le bouton est appuyé, alors qu'on ne pouvait pas passer avant. Euh, ok, je regrette un peu d'avoir activé un par un, euh, décoché une par une l'option actif au démarrage de, de tous nos tiles dynamiques là. Supposons que je ne l'ai pas fait, je vais vous montrer quand même comment le faire depuis le code parce que c'est beaucoup plus facile, c'est moins fastidieux et il y a moins de risques d'erreur. Vous avez peut-être déjà deviné, il suffit d'appeler cette même fonction mais au démarrage de la map et false, on les désactive au démarrage. Là, ils sont désactivés, quelle que soit l'option que j'ai cochée ou non et après ils s'activent. Alors, on va essayer de faire un deuxième exemple. Dans une map d'intérieur, supposons que c'est une salle de boss ou je sais pas quoi. Quand on entre dans la salle on voudrait, que... Alors, on voudrait que la salle elle apparaisse initialement comme ça. Comme une salle complètement normale. Et que les, les planchers au bord de la salle s'effondrent autour du joueur pour donner ça. Euh... Donc une façon de le faire, c'est d'utiliser les tiles dynamiques. Alors, pour l'instant, la salle n'a rien de spécial, elle a juste des. Elle a que des tiles statiques. Je vais aller dedans, je vais vous montrer que des tiles statiques, je peux... <laughs> ok, il y a un problème. Pourquoi ils ne tombent pas dans les trous là Je ne sais pas. C'est bien des trous ça Ah non, j'ai oublié de mettre un tile de trou. C'est noir derrière, pas parce qu'il y a des trous, mais parce qu'il n'y a aucun tile. Je pense que c'est ça, les tiles de trou. Peut effectivement tomber dans les trous donc ça va ressembler un peu à, à ce qu'on a fait ici sauf qu'on va faire disparaître les tiles au les faire apparaître et puis on va le faire progressivement aussi euh, ça va être un petit peu animé ils vont pas tous disparaître en même temps donc on va faire des petits tiles dynamiques qui vont avoir cette taille là de 16 sur 16 je vais en créer d'abord un seul et puis je vais l'appeler euh Le sol qui s'effondre. Collapsible floor. J'espère que, que c'est de l'anglais correct. Mais si c'est pas de l'anglais correct, ça marchera quand même. Et puis euh, voilà, je vais faire des copier-coller. Je fais des clics droits pour, euh, pour copier-coller mon, mon tile dynamique plein de fois. Et puis après, je vais pouvoir le faire un peu mieux. Hop, comme ça, pour aller un peu plus vite. Et je peux même utiliser la sélection rectangulaire. Là, rappelez-vous, j'appuie sur CTRL avant de commencer ma sélection. Parce que sinon, il, il prendrait celui-ci avec, puisque c'est là que j'ai cliqué. Donc CTRL. C'est un truc que, Une petite astuce que j'expliquais dans un des premiers tutos. Peut-être que vous ne l'avez pas regardé, ou peut-être que vous ne vous rappelez plus parce que ça fait longtemps. Par contre, j'ai fait une bêtise, c'est qu'ils ne sont pas dans le bon ordre. Euh, il faut quand même faire gaffe à l'ordre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Puisqu'en fait, je vais, je vais me baser sur leur numérotation. Je vais me baser sur les numéros que je leur ai donnés pour euh, les faire s'effondrer dans le bon ordre. Quoi. Donc, je vais quand même les créer un par un pour qu'ils soient numérotés dans l'ordre dans lequel je veux les voir disparaître. Celui-là, je l'ai un petit peu raté. Voilà. Donc pour l'instant, sans aucun script, ça doit ressembler à une salle normale. Pour l'instant, le joueur ne peut pas se rendre compte que certains tailles sont dynamiques et d'autres non. Et puis, on va donc mettre un petit capteur, comme nous avons appris dans le tutoriel précédent collapse sensor et donc lorsqu'on le capteur collapse sensor est activé on va faire un petit timer Euh, on va dire que toutes les. Je sais pas, 300 millisecondes. Eh bien, on va casser le sol. Enfin, un morceau du sol. Donc, on aura besoin de retenir l'index en commençant à 1 donc local tile égale on va demander à la map l'entité qui a le qui a pour nom euh, alors comment l'appeler collapsible collapsible floor suivi de du numéro donc if tile égale nil ça veut dire qu'il n'existe pas donc ça veut dire qu'on est déjà à la fin on fait return false pour ne pas répéter le timer. Et sinon on fait tile set enabled true. Euh, false. On le désactive. Et puis on va jouer un petit son avec. Sol.audio.play sound. Et puis j'en avais repéré un qui serait cool. Euh, falling rock. Et return true pour répéter le timer. Et sans oublier de faire euh, d'incrémenter notre index. Sinon ça ne va jamais s'arrêter. La condition d'arrêt est ici. Au bout d'un moment, il y a un tile... On arrivera à un index euh, tel que le... Et, bah, Il n'y a plus de d'entité de, de ce nom. Donc euh, on arrêtera de répéter le timer. On va voir si ça marche. J'ai pas testé du tout. Ça marche je peux déjà tomber dans ceux qui sont là pas encore tomber dans ceux qui sont pas encore là voilà je tombe à l'infini <laughs> faut toujours faire attention quand vous faites des des choses dynamiques le problème c'est que le moteur avait enregistré ces coordonnées là comme étant des coordonnées sécurisées pour le héros c'est à dire que quand il tombe dans un trou il va revenir aux coordonnées euh, aux dernières coordonnées solides qu'il avait en, en mémoire, mais comme elles ne sont plus solides, il y a un léger problème, on tombe à l'infini. Alors, soit vous il y a plusieurs solutions pour éviter ce genre de, de soucis. Vous pouvez euh, soit complètement freeze le héros, donc l'empêcher de bouger tant que, tant que la cinématique est en cours, si vous considérez ça comme une cinématique. Sans oublier de le débloquer une fois que c'est fini. Unfreeze. Euh, là c'est un peu long, je trouve. Vous pouvez aussi réduire le délai, bien sûr, pour que ce soit pas trop long pour le joueur. Bref, vous avez compris l'idée. Ou alors vous pouvez faire comme on a fait dans le, le tutoriel précédent. Vous pouvez dire que au lieu que le joueur retourne aux dernières coordonnées solides. En cas de chute dans un trou, on veut qu'il retourne, euh, mettons, à l'emplacement du sensor, à l'entrée de la salle, ou à l'emplacement de la destination. Donc en fait, on va faire euh, Hero, Save, Solid, Ground. Et puis voilà, on met rien du tout. C'est-à-dire que ça va sauvegarder comme coordonnée de retour l'entrée le, de la salle enfin le, le capteur lui-même et lui ça tombe bien puisqu'il n'a pas eu de trou il ah, y a un gros bug ah oui je sais ce que c'est le bug un truc que j'ai oublié en fait le <laughs> désolé pour le bruit ouais le capteur il s'active plusieurs fois là dans notre code en fait dès qu'il s'active une fois on veut qu'il n'existe qu plus on peut, dire, on peut tout simplement le supprimer pour être sûr qu'il ne s'active plus. Désolé pour le, tout ce bruit. Maintenant, on est sûr qu'il ne s'active qu'une seule fois et on revient bien à l'entrée. Voilà. Euh, ok. C'était le principe des détails dynamiques. Donc, vous pouvez, vous pouvez faire plein de trucs cool avec les détails dynamiques, des, faire des choses qui apparaissent, qui disparaissent. Euh, des, des trous qui apparaissent, des, des plateformes mouvantes. Le fait qu'un tile soit dynamique, ça permet pas seulement de, de le faire apparaître ou disparaître l'entité, mais vous pouvez lui faire bénéficier de, de tout ce qui est disponible pour les, les entités habituelles. Entre autres, vous pouvez même le déplacer, vous pouvez lui, a, lui assigner un mouvement. Donc c'est pour ça que je parlais de, de plateformes mouvantes. Beaucoup de choses deviennent possibles grâce aux tiles dynamiques. Voilà, voilà, c'est tout pour cet épisode. N'hésitez pas à passer sur le Discord et partager vos créations. C'était Christopho et c'est tout pour le moment.